Salut tout le monde, c'est Setsky, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 7ème épisode de Direct Test sur Nintendo 3DS. Et oui, on enchaîne les tests sur Nintendo 3DS cette fois-ci, hein, vu que j'ai 3DS Capture Board, autant en profiter. Et donc, pour ce 7ème épisode, nous nous retrouvons sur Yo-Kai Watch, donc la démo. Démo du jeu qui est censé sortir en France dans quelques jours, je crois. Donc, sur ce, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Voyons voir de quoi il en retourne. Donc, comme d'habitude, hein, je n'ai pas découvert, enfin, pas joué au jeu avant, ce sera de la pure découverte, hein, comme d'habitude. C'est le principe de la vidéo, qui veut ça? Alors déjà, on a droit à une petite cinématique, c'est sympathique. Ce jour-là, dans la forêt... Ma vie a complètement changé. Alors déjà, premier bon point, le thème principal du jeu est énorme, je trouve. Après, deuxième point qui est celui-ci par contre un peu moins bon, c'est le doublage. Bon, on a écouté que 10 secondes, donc bon, c'est un petit peu pas assez, j'ai envie de dire, pour donner un véritable avis par rapport à ça, mais je sais pas, je suis pas super convaincu par la voix du perso, enfin bref, c'est pas grave. Donc, jouer, c'est parti. Cette démo est une version d'essai du jeu. Ok, tourner la caméra, parler, inspecter, se déplacer. B plus maintenant, je vais courir, d'accord. Centrer la caméra, tourner la caméra. Ah oui, c'est L plus R, centrer la caméra, L et R pour tourner. D'accord, ok, j'ai bien retenu. Waouh, alors déjà, graphiquement, c'est vraiment beau, je trouve. Whisper. Alors Nathan, et si on allait se trouver quelques yokai? Où est-ce que je suis censé les trouver et comment? Quelle question, tu peux les trouver partout autour de toi. Allons dehors. Donc sors pour trouver des yokai. Ok. Alors franchement graphiquement j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça énorme, hein, vraiment. Pour moi on est... On est quasiment, voire même au même niveau qu'un Pokémon Y. Hein. Clairement, graphiquement, je trouve ça assez énorme. Donc alors... Ah oui, on peut aussi tourner la caméra enfin sur l'écran tactile, quoi. La carte, on peut pas y accéder. Et on peut aussi déplacer notre perso tirant, on va dire, sur l'écran tactile, enfin avec le stylet, quoi. C'est pas mal. Le radar. Sort pour trouver des yokai. Ouais, loop. Ouais, d'accord. Bon, pour l'instant, je suppose qu'on peut pas encore trop utiliser ça. Alors, voyons voir. Ah oui, Yokai Watch qui est considéré comme beaucoup... enfin, pour beaucoup. Par beaucoup, plutôt. J'aurais généralement du mal. En même temps, il est assez tard, je suis désolé. Si je dis un peu n'importe quoi. Donc, Yo-Kai Watch, qui est considéré, pardon, j'ai vraiment du mal, par beaucoup comme étant le nouveau Pokémon. Le Pokémon de l'année, on va dire, 2015, 2014, 2013. Parce que je crois que le premier Yo-Kai Watch est sorti en 2013 au Japon, si je dis pas de bêtises. Et donc, il est considéré pour beaucoup comme étant le nouveau Pokémon. Donc, ouais, pourquoi pas. Avant que le avant le coucher du soleil, d'accord. Je voulais dire avant que le soleil se couche. Ah non, franchement, c'est vraiment énorme, hein, niveau modélisation.
Oh, je suis content de te voir, Nathan. Désolé de tout déranger, mais j'aimerais te demander un petit service. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des méchants yokai ont causé bien des soucis à Grandval-sur-Mer. Est-ce que tu pourrais les trouver et t'en occuper? Bien sûr, juste 2 secondes. Whisper, qu'est-ce que je fais là? C'est toi qui as la Yokai Watch, il n'y a que toi qui puisses les trouver. Non pas que je veuille te mettre la pression. Je t'assisterai pour que tu puisses satisfaire la requête de la jeune fille. Pas de problème, je m'en charge. Oh, merci beaucoup Nathan. Ces 3 yokai ont causé des problèmes partout dans la ville. Je sais où 2 d'entre eux aiment traîner. Et tu devras trouver le dernier toi-même. Quelqu'un doit savoir où il se cache, demande aux gens dans la rue. Reviens me voir une fois que tu auras battu les 3 yokai. Donc en gros, tu sais où il se cache, mais tu me dis de me démerder en allant demander à des gens dans la rue. Ouais. Attends, appuie sur haut de la manette. Ah non, non, ok, d'accord, j'ai rien dit. Je crois que les flèches, en fait, indiquent la position des 2 yokai. Ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, mais quand même, encore une fois, graphiquement, je trouve ça vraiment ouf, quoi. C'est juste ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Est-ce qu'on peut entrer dans la maison des gens? Non. En même temps, tu me diras, ça, c'est quand même logique. J'ai obtenu un truc karaté, j'ai pas eu le temps de lire. Examine les endroits où la loupe s'affiche pour passer en mode exploration. D'accord. Ouais, vise les marqueurs. Ah, ok, donc il y a des sortes de petits mini-jeux comme ça qu'on pourra faire assez souvent. Pourquoi pas? Oh, fuck. J'y étais presque en plus. Allez, on essaye. Oh non! Je suis encore loupé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Sinon, on va essayer de se rendre quand même aux objectifs. Enfin, aux objectifs, tout simplement. Et musicalement, je trouve vraiment ça vraiment cool. J'avais déjà dit tout à l'heure que le thème principal était assez énorme. Et bah, sinon, les autres musiques... de ce que j'entends pour l'instant, plutôt sympathique. Je suis si fainéant aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller au travail. Peut-être que cet homme est envoûté par un yokai. Je ressens une aura de yokai par ici. Utilise la loupe yokai pour la trouver. Donc si ton radar s'affole et qu'il affiche ça, appuie sur Y pour activer la loupe yokai et inspecter les alentours. Je suis peut-être gouré. Attends, tu peux appuyer sur le bouton. Allô, ok, appuie sur le bouton Y. Ah, d'accord. Ah non, non, j'ai toujours pas compris. Il faut faire quoi? Oui, là, je vois qu'il y a un yokai, effectivement, mais et après? Ah ouais, alors là je pige pas. Il y a un truc que j'ai loupé ou... What? Je comprends pas. Je dois faire quoi? Il y a un truc que j'ai... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Le mec disparaît quand j'utilise la loupe. Alors, à moins que j'ai mal lu... Alors là, je comprends pas. Est-ce qu'il y aurait pas
un tutoriel ou un truc du genre pour m'aider là, parce que là pour l'instant je comprends pas du tout. Hein. Je suis en train de viser le truc. Mais je dois faire quoi? Et monsieur Whisper, tu peux pas m'aider? Ah, peut-être que je dois... Ah, je crois avoir trouvé... Ah non, 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 j'ai pas compris. Ou alors peut-être qu'elle n'est pas forcément sur le monsieur, mais qu'elle est quelque part aux alentours. Sinon, j'ai pas compris. Ouais. Ah. Ah, d'accord. Alors, en fait, elle est pas forcément sur le mec, mais elle est aux alentours. J'avais pas compris. D'accord, autant pour moi. Désolé pour avoir galéré. Tu as trouvé Dara Bajwa. Travailler, les corvées, moi je déteste. Tout ce que je veux, c'est faire la sieste. Soupir. Ouais, j'ai dit une onomatopée, oui. Chercher les yokai peut être si fatigant parfois. Oh là là, c'était moins une. Comment ça, moins une? Qu'est-ce qui se passe, Whisper? Dara Bajwa peut te rendre très fainéant s'il réussit à t'envoûter. On ferait mieux de le battre rapidement avant de perdre toute motivation. D'accord. Et donc, comment se présente le système de combat? Laisse-moi t'expliquer les combats. Oui, explique-moi. Utilise ton stylet ou les boutons L et R pour faire tourner la roue yokai. Tu vois le bouton amultime, il te permet de charger les amultimes. Ouais. Tu n'as qu'à toucher amultime sur l'écran tactile et choisir un yokai pour commencer la charge amultime. Suis les instructions à l'écran pour remplir la jauge d'âme. Une fois chargé, tu pourras lancer une amultime dévastatrice. On va prendre le petit chaton. Unité mignonne. Est-ce que... Choisis un yokai. Chargé. Et normalement, je crois qu'il y a un truc... Fureur du chaton. Voilà, je me souviens. J'avais vu ça sur le trailer de Yokai Watch. Justement, je trouve ça assez énorme. Et franchement, la musique est cool, je trouve. Oulala. Eh mais vraiment c'est une vieille mamie ça. Claque d'amour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on va faire celui-là. Amultime. Sourire de Noko. Ah c'est pour redonner des points de vue à tout le monde. D'accord. Vas-y, on va essayer de... De faire les amultimes de tout le monde. Ah merde, j'avais déjà battu avant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment cool. Alors franchement, le fait qu'il y ait des petites phases de QTE comme ça... enfin, des petites phases de réflexion en plein jeu, je trouve ça assez énorme. Puisque ça permet aux joueurs d'être encore plus... immergé dans le jeu. Ah mais et carrément ils ont mis un système d'euros aussi. C'est pas des yens, ils ont converti ça en euros. Pourquoi pas. Et sinon ouais, le fait qu'il y ait des petites phases de réflexion comme ça, je trouve ça vraiment énorme. Donc au moins ça demande aux joueurs d'être un petit peu plus au taquet, donc de plus se concentrer sur le jeu, et c'est vraiment pas mal. Donc, alors, quelle poisse! J'aurai ma revanche un jour si je trouve la motivation.
Il ne reste plus que deux yokai. Continuons comme ça. Ok, on va essayer de les trouver vite fait. Ah oui, au passage, je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, je vous avais dit que Yokai Watch était... Oulala, doucement. Que Yokai Watch était considéré comme le nouveau Pokémon des années 2000, quoi, en gros. Enfin, 2000, 2010, 2013, tout ça. Enfin, les nouvelles années 2000, bref, vous m'avez compris, je pense. Et pour cause, Yokai Watch est, je crois, l'un des plus gros succès auprès des enfants depuis Pokémon. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que le film Yokai Watch est le film qui a fait le plus d'entrées au Japon, je crois, auprès du jeune public ou un truc comme ça. Enfin bref, tout ce que vous avez à retenir, c'est que ça a été un big succès, aussi bien en termes de jeux vidéo que de séries animées et de films. Donc, franchement, Yokai Watch, c'est une belle réussite au Japon. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit une belle réussite aussi en France. Donc, je ne fais que bourde sur bourde. Il s'en sortirait mieux sans moi. Il est tellement pessimiste, peut-être qu'il est envoûté par un yokai. Ah oui, yokai, je crois que c'est l'espèce de fantôme qu'on trouve dans la mythologie japonaise. Ah, je l'ai trouvé. Tu as trouvé Nihilistique. Ok. Et bien on va parler à notre cher Nihilistique. Oh. Et quoi votre problème d'égarpisseur? Qu'est-ce que c'est que ce yokai? C'est Nihilistique. Quand il t'envoûte, tu deviens pessimiste. Comme moi, j'ai réussi à me faire envoûter en un instant, je suis trop nul. Attends Whisper, j'ai de l'optimisme pour deux, on va pouvoir le battre. Ok. Oh, j'ai failli oublier quelque chose de vraiment, vraiment primordial. Tu vois le bouton cible, il te permet de concentrer des coups sur un ennemi. Il est possible que les yokai ennemis t'envoûtent pendant un combat. Dans ce cas, déplace le yokai envoûté à l'arrière et sélectionne purifié. Et voilà, j'ai bien l'impression que tu es prêt. En avant. Ok, donc, eh bien, c'est parti. C'est parti. Unité mignon, à vous de jouer. Vas-y, mon petit chaton. Chargé. Fureur du chaton. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, merde, il est envoûté. Allez, fais-nous ta... Ah, cette fois, il faut tourner. Ah, c'est vraiment cool, ça. Les petites phases de réflexion comme ça, j'aime bien. Claque d'amour, vas-y. Montre-nous tout ton amour, ma vieille. Oulala. Ah, je crois que c'est bon. Voilà, c'est cool. Et donc, sinon, je suis aux 18 minutes, donc faudra peut-être que je me décide à parler un petit peu des points du jeu. Donc, graphiquement, je reviens dessus, mais c'est énorme. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est au même niveau qu'un Pokémon Y. Franchement, graphiquement, c'est super beau. Sinon, au niveau de la bande-son, bah, ça m'a l'air très appréciable. Le thème principal de Yokai Watch me paraît très bon. Au niveau de la musique des combats, je trouve ça très bon aussi. La musique d'ambiance dans la ville aussi. Donc, voilà, pour moi, à ce niveau-là, c'est du tout bon. Au niveau du gameplay, le fait qu'il rajoute des petites phases de réflexion, c'est-à-dire le fait de devoir toucher avec un certain timing les petites boules qui apparaissent sur l'écran tactile, ou sinon le fait de devoir tourner des trucs, ou... Enfin bref, le fait qu'il demande aux joueurs de faire preuve d'un minimum de réflexion, j'ai envie de dire, sur l'écran tactile, je trouve ça vraiment énorme, hein. Ça permet de vraiment impliquer bien comme il faut le joueur dans le jeu, dans son aventure. Contrairement à peut-être Pokémon en comparaison, où on est un petit peu plus passif de ce côté-là, je dirais. Même si je pense pas qu'il y ait un aspect stratégie aussi poussé que dans Pokémon, dans Yokai Watch. Hein. Je ne pense pas. Mais malgré tout, je trouve ça assez cool. Ouais. Mais remarque, c'est pas plus mal puisque j'ai envie de dire
c'est un peu moins prise de tête parce que finalement dans Pokémon il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Et enfin quand je dis beaucoup de paramètres, c'est-à-dire les types, les EV, les IV, les machins, les bidules. Ce qui fait que... Non, il n'y a pas de yokai dans le coin. Ok. Si, il y en a un dans le coin là, on est d'accord. Non, il y en a vraiment pas dans le coin. Ah non, là je m'éloigne. Faut que je retourne là. Alors désolé, là je me concentre pour voir si j'arrive à le trouver. Non, il est pas là. Ouais, et sinon, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Enfin bref, en tout cas, tout ce que vous avez à retenir, c'est que les phases de réflexion proposées dans Yo-Kai Watch, c'est vraiment une très bonne idée. Sinon, non, il n'y a pas de Yo-Kai ici. Ah! Non, mais vous êtes sûr? Moi, je suis sûr qu'il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a un dans le coin. Ne vous moquez pas de moi, on me la fait pas, moi. Dites-moi où il est. Voilà. Non, franchement, la musique est énorme. Arrêtez, sérieux, c'est trop bien. Ah, franchement, j'adore. Alors, je sais pas si je vais acheter le jeu quand il sortira en France, mais franchement, il y a des chances. Il y a des chances que je l'achète parce que je pense qu'il y a vraiment matière à bien s'amuser. Hein. Franchement, il y a matière à vraiment bien s'amuser dessus. Par contre, je suis aux 22 minutes, donc je pense qu'il serait temps de conclure. Bon, en conclusion, Yo-Kai Watch, vraiment très bonne première impression, très bonne surprise. Peut-être que je l'achèterai et que je vous ferai éventuellement un let's play dessus lorsqu'il sortira en France. On va savoir, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est une idée de let's play qui pourrait éventuellement vous intéresser, hein, au Yo-Kai Watch. Et voilà, tout simplement. Ah, je crois que j'en ai trouvé un. Et il s'agit de... Bushidos. Allez, on va essayer de faire ce dernier combat. Affronter ce yokai. Alors, je suis pas sûr que c'est celui que je devais trouver, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et en plus, les phases de QTE sont variées pour chaque yokai. Enfin, c'est pas la même chose à chaque fois. Donc, franchement, c'est bien. C'est une bonne idée. Allez, on va faire la multime de celui-là. Ok, génial. Valse des esprits. Wouhou. On va faire celui-là. Tac. Oh, génial. Ouais, par contre, toi, t'es une drôle de tête, hein. Le prend pas mal. Grand carnivore. Grand caninivore, plutôt. Ok, toi, on va utiliser celui-là. Allez, on tourne. Envoûtement. Ah mince, il a été envoûté. Malédiction baisse. Ah, ça a baissé quelque chose, j'ai pas bien vu. Ah mais comme quoi, finalement, il y a peut-être un aspect stratégie assez... Enfin, beaucoup plus prononcé que ce que je croyais dans Yo-Kai Watch. J'avais pas pris en compte le fait qu'il y avait aussi une baisse d'attaque, de... des attaques spéciales, etc.
Bon, Romain, vous le direz, c'est une sorte de RPG, donc ça aurait été bizarre s'il n'y en avait pas, mais bon. Purifier, purifier, purifier. Ah oui. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Purifier, on va purifier celui-là. Ok. Ça c'est nickel. Et sinon, comment je fais pour en taille de Bushi? Oh là là, il me fait son attaque spéciale. Oh merde, il est mort. Putain, qu'est-ce que je dois faire? Là, je peux plus rien faire. Hein. Ah non non, c'est foutu. Envoûtement raté. Ah mince. Oh purée, mais Yoka, ils vont bientôt crever là, c'est plus possible. Incendie. Envoûtement. Et merde. On va le purifier. Ah oui, il faut que je le mette en arrière, c'est vrai. Purifier, tac, on tourne. Ah oui, en plus c'est vraiment en temps réel, ça veut dire que même si je suis en train de faire des actions hors du combat, enfin sur l'écran tactile, le combat continue quand même, donc il faut vraiment être au taquet tout le temps. Ok, c'est pas mal du tout. Raté. Ah, il est prêt. On va utiliser la multime de notre cher petit Koma-san. Ikuze, Koma-san! Oh non, il m'a tué. L'enfoiré. Oh l'enfoiré, il m'a tué. Bon. Ben, c'est un fail monumental. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. En plus, là, c'est le premier direct test à dépasser les 25 minutes. Donc, c'est quand même beaucoup. Je rappelle quand même que de base, c'est censé faire 20 minutes tout au plus. Enfin bref, bon, en tout cas, j'espère que ce 7ème direct test sur Yo-Kai Watch vous a plu. Très bonne découverte, franchement, hein. Hâte de voir ce que ça donne, pour la version complète, hein, bien sûr. Je pense que je l'achèterai, et peut-être que je vous ferai un let's play dessus, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !